Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Salut à tous, c'est Jerika, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Ratchet & Clank. On se retrouve sur la planète Batalia. Bon, on s'était laissé là la dernière fois. Donc j'essaye de changer ma façon de commenter maintenant. C'est bon ça, on peut déjà le prendre. Bon, en plus on peut déjà prendre l'arme. Franchement c'est nickel. C'était réglé comment? C'était réglé comme ça. Est-ce que j'ai des munitions à prendre? Les munitions, allez, vite fait, ouais. Hop, moi je vais prendre ça. Comment ça? Non mais oh, tu me tires pas dessus comme ça toi. Allez, va voir toi. Allez, moi je vais récupérer tout ce qui est boulon. Alors je sais pas si ça va vous faire plaisir, mais il va y avoir des jeux de survie comme Ark. J'ai vu certaines vidéos, en fait il y a un youtubeur, voilà, c'est un youtubeur qui est vraiment connu hein. Mais moi je viens de le découvrir il y a pas tellement longtemps, ça fait quoi, ça fait une semaine que j'écoute ses vidéos. C'était juste par curiosité en fait, j'étais voir comme ça, et par curiosité en fait j'ai découvert un youtubeur de 2 millions et quelques abonnés. Et franchement ce mec, il y a un de ses commentaires que enfin, je suis fan de son commentaire. Il m'a donné envie de jouer à Ark. Et franchement, j'espère vraiment avoir un putain de commentaire comme lui. Et puis en même temps, si ça peut vous faire plaisir, ce genre de vidéo, tout ce qui va être Ark Survival ou Ark Extinction, c'est des jeux que j'ai l'intention de faire sur la chaîne. Il va y avoir plus de jeux comme ça, plus de jeux où je vais devoir tryhard, que je vais devoir farmer. Ça va changer un petit peu de Rocket League, etc. Tu vois. Et en même temps, bah, pour toi, je pense que ça peut être mieux. Au moins, t'as vraiment un suivi, t'as vraiment un putain de jeu parce que. T'as vraiment une suite en fait. Parce que dans Rocket League, bah, t'as pas forcément de suite. C'est juste, voilà, si j'ai envie de te faire 10 matchs, je te fais 10 matchs. Que là, voilà, sur vraiment sur tout ce qui est jeu de survie et tout. Et ça sera vraiment mon aventure à moi. Ça sera moi qui aura décidé de faire cette aventure-là. C'est moi qui aura décidé de le faire comme ça. Donc du coup, si c'est la merde, ça sera de ma faute. Que Rocket League, voilà, tu vois, je suis un petit peu aussi dépendant de mes coéquipiers. Et c'est pas forcément évident. Donc on a déjà une future planète à aller. Donc tu sais déjà quelle planète on va aller dans le prochain épisode. Alors il y a un petit peu plus de minuit hein, quand je te fais le commentaire de cette vidéo. Attends, maintenant je vais remettre les armes comme ils doivent être. Et lui, je sais pas, je vais mettre... Moi j'en sais rien en fait. Allez, on va mettre le boogie boogie. Content de vous voir les gars. Allez, j'ai besoin de vous pour nettoyer la ville. Les
Non, j'ai vraiment pas fait gaffe en fait. Je suis arrivé comme un gros bourrin, comme d'hab en fait. Allez, on dégage. Allez, toi là-bas. Comme je te dis, c'est vraiment l'arme que je préfère. L'arme la plus puissante. Donc du coup, on en profite. En plus, on l'a améliorée. Alors, le boulon là, je l'avais jamais trouvé dans l'ancien niveau. Là, tu vois, je le trouvais comme ça, sans le vouloir. Donc, bah voilà, pour moi, ça me fait encore plus plaisir. Hop. Alors ça, c'est le casse-tête de la journée. Déjà, lui, tu sais que ça sera pas bon. Voilà. Normalement, il doit rien avoir pour gêner le laser. Donc lui, il serait là, comme ça. Lui, il serait là. Là, j'y touche plus. Faudra que j'y revienne plus tard. Bon, on recommence. Alors ça, c'est vraiment la chose la plus chiante à faire du jeu. Alors déjà, on va tous les... Non, lui, je peux pas le laisser là. Lui, au mieux... Bah, t'as pas trop le choix, en fait. Ok, je crois que lui, il veut venir comme ça. Alors lui s'il vient comme ça fait lui qui vient là. Et donc il m'en reste que un. Putain, c'est pas le bon encore. Alors là, ah putain, le deuxième, il y a toujours un truc devant. Voilà. Et là, il reste que lui. Ah lui, j'ai pas le choix, donc du coup, je suis obligé de l'envoyer là. C'est toujours le deuxième en fait qui fait chier. Là, normalement, il n'y a rien qui vient dessus.
Ah, c'est horrible. Déjà, lui, à mon avis, il se met là. Lui, il se met là. Non, il peut pas se mettre là, il peut se mettre que là, lui. Même pas. Là, il pourrait. Bon, du coup, lui est bon. Lui, il serait bon. Putain, il était dur. Ça me saoule. Franchement, quand t'as ton... Quand tu veux faire un putain de commentaire, quand tu veux faire une putain de vidéo, et c'est toujours là que tu fais de la merde. Et où? Il est où le croco-boulant? Ah, il est là. T'es sérieux toi? Ah ouais, vous êtes comme ça, ok. Je retiens. C'est bon, vous avez fini ou il y en a encore? Ça se passe comment? Alors du coup, je vais aller voir là-bas tout de suite. J'essaye de faire au mieux, j'essaye de faire au plus vite. Voilà le temps qui est mouru. Ça c'est fait. Bah ouais, je peux utiliser le snipe. Alors, si t'arrives à viser directement le point rouge, tu fais une tête. Tu vois? Voilà, une tête.
Là. Là, je viens de faire une tête. Là, normalement, il y en a d'autres. Non, ça sert à moi. Bon, tant pis, on n'a plus le choix. Regarde, tu vois, je fais une tête directement. La tête, elle est partie. Voilà, il se prend encore une tête. Et le dernier, une tête. Oh putain, il y a de la chance lui. Ok, tu veux la jouer comme ça ou pas la jouer? Oh là. Si, si, tu te la pètes. Oh putain, je saute dessus. Mais non, mais c'est pas possible ce jeu de... Je leur saute dessus, c'est un truc de fou. Une tête en moins. Deux têtes en moins. Voilà, ça c'était fait le temps que de toute façon il est mort. Voilà, putain, c'est si simple et je crève, mais bêtement. Ça devrait même pas exister que je crève aussi vite. Ces tourelles laser ne vont pas nous faciliter la tâche. Va falloir trouver un autre moyen de rentrer. Allez, passe devant, je te couvre. Alors, il y a quand même un sacré... Bah, deux sacrés cinématiques quand même par rapport à... Tu dis que le jeu, il date des années 2000. Moi, je l'avais sur PlayStation 2. Enfin, j'avais le suivant, j'avais pas celui-là. Je sais plus lequel j'avais. Je pense que c'était le suivant. Bon, j'ai quand même un souci de caméra. T'es mouru? Ah bah, apparemment c'est ça. Alors là t'as un boulon là, mais je sais plus comment on y va. Je cherche. Je cherche ma poulette, je cherche. Drake va lancer toutes ses défenses contre nous. Tu es prêt? J'ai attendu ça toute ma vie. C'est parti. Je suis
Non, mais je l'ai dans la tête. Lui aussi, je l'ai dans la tête. Je vais aller prendre de la vita un petit peu. C'est vraiment ce qui manque le plus. Fuyez, pauvre fou. Enfin, je vois plus rien, je vois plus rien. Ah ouais, c'est comme ça, tu vas la jouer, enfoiré, ouais. T'as pas honte, espèce de PD? Espèce d'éjaculateur précoce, là. Non, vous êtes à 10 sur moi, là. Oh, on va prendre les grands moyens, viens ici. Mais non, mais je l'avais fini. Il me restait deux mecs à niquer. Ah, il y a une petite bouboule là. Elle est bien cachée. Mais ils sont où? Ils sont déjà mourus? Bah, apparemment, ils sont mourus. Hein. Bah, je vais aller récupérer des munes. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Je voudrais bien aller là. Voilà, le boulon a été récupéré. Là, je fais quasiment tous les boulons direct. Tu vois, je devrais plus revenir que pour du boulon. Allez, là, c'est bon, on peut tout faire. On prend masse de pièces. Alors tu dois ouvrir, mais moi je vais aller ramasser ça aussi. Alors ça, normalement, tu vois, je les ramasse. Hein. Ah bah, on fait tout. Je viens de découvrir qu'on pouvait les avoir de loin. Oh bah, ça c'est fait au moins. Activer ce truc.
Ouais. Alors lui, tu vois, je peux le désactiver. Au moins celui tout en bas. Et je peux faire comme ça. C'est parfait! C'est parfait! J'ai pas trop confiance qu'une femme me couvre, mais bon, si t'insistes, hein. Félicitations. Missile en approche détectée. Canon ionique de la tour de garde à 25%. En plus des vaisseaux, t'as carrément, ils te balancent des missiles. Ah, ça va, tu vois, c'est. What? Allez. Viens ici, toi. Toi aussi. Oh, toi, je t'ai pas vu. Viens ici, toi. C'est pas évident parce que tu dois te concentrer sur les petits vaisseaux. Tu dois te concentrer sur les vaisseaux et sur les gros. Et c'est vraiment très très compliqué. Enfin, c'est compliqué, mais ça va, tu vois. C'est pas le niveau le plus dur, mais c'est pas, comment dire, c'est vraiment pas facile à faire. Que je revais au vaisseau. Est-ce que j'ai oublié des choses? Parce que ça me ferait chier de revenir pour un boulon, tu vois, si j'en ai oublié un. Enfin, un boulon doré, hein. Les petits boulons de merde là, ça m'intéresse pas. Hop, bah bon. On va aller au vaisseau. On va aller au vaisseau. Je sais, je sais, je sais. Alors,
Là, franchement, c'était pas mal. C'était bien. Donc, prochaine planète, t'as le choix entre Quartux, c'est une des dernières planètes à faire. Et Pokitaru. Putain, ils ont pas trouvé plus dur à dire. Bah, on va partir pour Pokitaru. Ça va être un de nos derniers épisodes sur Ratchet et Clank. Enfin, je pense que c'est un de nos derniers épisodes. Il y en aura encore 2, 3, peut-être voire grand maximum 5 derrière. Mais voilà, on se rapproche de la fin. De toute façon, le niveau il commence à devenir un petit peu corsé et c'est pas forcément évident. Alors, on est arrivé sur Pokitaru, donc là je te laisse pour la suite. Bah, je te laisse pour cet épisode. Putain, je suis fatigué aujourd'hui. Ok. Ouais, va pas trop vite, Chirika. Donc, je te laisse pour cet épisode-là. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Chirika.